The synonymesis is a concept that has political, literary, anthropological implications. But it's important to remember that as a concept, mimesis is first and foremost a philosophical concept. So it's time to include a philosopher in our series of interviews. Whenever a philosopher addresses the problematic of mimesis, there are a number of complexities that emerge that are internal to the history of the concept. But the most basic and fundamental problem is that philosophy, from the very beginning, defines itself in opposition to mimesis. Plato famously says that there is an ancient quarrel between philosophy and poetry, and by extension, the arts. And mimesis is at the center of this quarrel. Luckily, the philosopher we are interviewing today doesn't share this view. His work is located at the intersection between philosophy and literature and the arts more generally. His name is Jean-Luc Nancy. He's one of the most influential contemporary philosophers writing today. He taught at the University of Strasbourg for 30 years and is commonly associated to deconstruction or post-structuralism. But his work actually transgresses boundaries and schools. He has written on influential philosophers from Hegel to Heidegger, Nietzsche to Bataille, but has also opened up philosophy to the outside, specifically to psychoanalysis, aesthetics, and politics. He's mostly known for his work on the question of community and the problematic of being in common. Strictly speaking, he's not a philosopher of mimesis as such, or at least he claims that he is not, but he has been working in collaboration with a philosopher who made mimesis his central philosophical problem. His name was Philippe Lacoulabart, and Jean-Luc Nancy and Lacoulabart taught together for many years at the University of Strasbourg and co-wrote a number of works where the question of mimesis is central. So today we'll be using the notion of mimesis in order to interrogate Nancy on the question of the relationship between philosophy and literature, and by extension the arts, but also to get him to talk about his relationship with Philippe Lacoulabart, and more generally, we are trying to find out whether mimesis is at work in his most influential concept, for instance, the concept of community. He's coming to Leuven to give a lecture in the Faculty of Arts, precisely on the relationship between philosophy and literature. We are delighted to have him, and I'm picking him up here at the station right now, so I better run. This workshop is part of a seminar we've been running now for more than a year, titled Homo Mimeticus Seminar. And so I'd like to start, first of all, by thanking Jean-Luc Nancy again for joining us. He was extremely generous with his time. Yesterday, he was interviewed by a student journal, Beto, and this morning, we had a second interview specifically addressing the topic of mimesis. La mimesis s'intéresse à la mimesis parce que elle demande une bonne mimesis, plutôt mimesis savante que la mimesis qui sait ce qu'elle fait en imitant. Bon. Donc on pourrait dire, oui, même pour la philosophie, c'est-à-dire pour la pensée rationnelle, il y a comme d'emblée la nécessité de procéder à une orthopédie de la mimesis. Mais pourquoi? Parce que, je pense, tout ce qui, pour la philosophie, pour Platon, tout ce qui précède la philosophie, c'est-à-dire bon, le mythe, la poésie, peut-être ce que nous appelons l'art bon, en général, c'est tout un domaine, ou c'est plusieurs domaines et plusieurs aspects
En effet, de la mimésis, c'est-à-dire d'un rapport à des figures ou à des modèles. Il ne faut pas oublier que l'éducation grecque, d'avant Platon, c'est une... d'avant Platon, même il faudrait dire d'avant les sophistes, hein, c'est l'éducation dans l'imitation d'un certain nombre de figures qui sont des héros de l'histoire, plus ou moins, ou des héros légendaires, ou des demi-dieux. Il y a par exemple la figure de Hercule à la croisée des chemins, de Hercule devant choisir entre le vice et la vertu. Bon. Et on peut dire que peut-être, oui, l'essentiel des cultures antérieures à la culture grecque sont des cultures, justement, de l'imitation de figures, de comportements, de valeurs. Bon. Et l'affirmation de Platon, c'est que là-dedans, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas pourquoi c'est cette figure qui devrait être meilleure qu'une autre. Donc on ne le sait pas parce qu'on n'a pas déterminé ce qui devrait être bien. Donc en fait, la question de la mimésis, c'est d'emblée aussi la question du savoir, d'un savoir vrai, d'un savoir juste, bon. Donc d'un savoir qui se règle sur le logos. Bon, alors peut-être, oui, l'exemple majeur de ça, c'est la fameuse caverne de Platon. Dans la caverne, les prisonniers ne voient que des images, des imitations de choses, et ces imitations sont elles-mêmes des ombres, donc n'ont pas de réalité consistante, et le philosophe, c'est celui qui sort de ça, qui sort de la caverne et qui va voir enfin les choses dans la vraie lumière. Ce qui comporte aussi tout de suite est le fait que pour la philosophie, il ne s'agit pas seulement de voir les choses dans la vraie lumière, mais il s'agit aussi de voir la lumière elle-même, de voir le soleil. Et quand on voit la lumière elle-même, on ne voit plus rien. Donc d'une certaine façon, si on veut se régler sur le soleil, on ne peut pas imiter le soleil. On ne peut pas imiter la source de la lumière à partir de laquelle il peut y avoir des images ou des modèles. Oui, alors là, on peut dire la participation, la métexis, okay, elle est intrinsèque au rapport mimétique, au rapport d'imitation. On peut imiter Hercule ou Dionysos. Il faut bien que je ne peux pas me contenter de reproduire des formes extérieures. Il faut que j'épouse intérieurement le mouvement, la passion qui sont en jeu. Justement, c'est cette participation qui, je pense, qui paraît à Platon comme ce qui est susceptible d'entraîner comme ça des déchaînements de passion non contrôlés. Pourtant, il y a chez Platon quelque chose, même une instance et même un personnage dont on pourrait dire que c'est vraiment le personnage de la participation, c'est Eros. Eros, c'est à la forme, on pourrait dire, comme déraisonnable, enfin, ou qu'il s'agit de plier à la raison. Bon. Donc l'Eros, ou l'élan érotique, c'est-à-dire l'élan du désir, je crois que c'est l'énergie, justement, de la participation à... Mais alors, bon, à quoi ? Alors, il y a un endroit dans le Phèdre, petit passage très court, qui est très, très, très remarquable, et où Platon dit, c'est Socrate qui dit, que si la phronesis se manifestait elle aussi dans le sensible, elle déchaînerait des élans érotiques encore bien plus grands. La phronesis, c'est le discernement. C'est pas le nous, c'est pas le... comme
considérée comme acquisition de la connaissance, plutôt le discernement, ce qui, c'est l'intelligence active, vive. Et d'ailleurs, on peut même dire que c'est très intéressant parce que le mot phronesis, il appartient à la famille de phrène, c'est-à-dire en fait d'un organe du rein. Il y a dans la phronesis quelque chose d'extrêmement organique, vif, vital. Mais pour Platon, la phronesis, au fond, c'est l'exercice supérieur de l'esprit pensé, qui consiste à bien distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux. Et il dit qu'elle déchaînerait des élans érotiques encore plus forts. Et il y a donc chez Platon quelque chose d'extrêmement complexe où d'un côté, il faut se tenir à distance de l'élan, donc ça, de participation et d'imitation en même temps. Et d'un autre côté, en fait, il faut entrevoir qu'il y a un élan du même type, mais qui devrait être d'une qualité supérieure, non susceptible de s'arrêter à la belle apparence. C'est pour ça qu'il y a, même chez Platon lui-même, il y a comme une tension intérieure que Platon, au fond, ne résout pas vraiment. We are privileged and indeed very honored to have with us today Jean-Luc Nancy. And as one person whose work proves that philosophy and literature need to engage in such an ongoing critical dialogue, it is our speaker today. Thank you, Tom, for this kind introduction. It's indeed very nice to see a full house. People say that it's a hard time for the humanities, but I think that what we see here is that there is a demand for literary studies. Which is also a demand for philosophy. Above all, it's a demand for our distinguished speaker tonight, Jean-Luc Nancy, who kindly agreed to participate in a double event on the side of arts, in the English unit, as Tom said, and on the side of philosophy. Par rapport à cette ambivalence, qu'est-ce que, chez Platon, mais dans la philosophie en général, les philosophes peuvent apprendre des imitateurs? Des artistes, des faiseurs de simulacres. Les philosophes peuvent apprendre des imitateurs que peut-être rien ne peut se faire sans imitation. C'est-à-dire que par exemple, disons, que même l'acquisition d'une connaissance logique, rationnelle, mettons, apprendre l'arithmétique comme on l'apprend à l'école élémentaire, peut-être qu'en fait, ça ne peut se faire que si il y a aussi un mouvement qui n'est pas du tout dans le cas de l'arithmétique, un mouvement, je dirais, d'imitation du maître, mais par exemple, quand on apprend à compter, on apprend ça avec un certain rythme. 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce rythme-là? Il y a quelque chose dont je serais prêt à dire qu'il faut se demander si ça n'est pas un mouvement à la fois rythmique, donc affectif, physique, etc., mais qui traverse toute la mathématique. Pourquoi les mathématiciens sont souvent des gens extrêmement passionnés? Fou, je veux dire, comme ça, et parce que il y a dans la chose même, que ce soit le nombre, la numération, ou alors que ce soit, mettons, la géométrie, le tracé des lignes, de leurs rapports, etc., il y a quelque chose dont notre culture a fini par perdre le plus souvent de vue. Mais qui est réellement présent là, il y a que rien ne se fait, rien de la pensée, de l'activité ne se fait sans une sensibilité. Nous donnons tous les livres que vous avez coécrits ensemble, et c'est très difficile de trouver des photos en ligne de vous et de Philippe. Je n'ai trouvé une. Celle-là. Oui. Au centre, c'est Philippe. À droite de la photo, c'est moi. À gauche, c'est Roger Laporte, qui est un écrivain, je pense qu'il est mort maintenant,
qui était lui-même aussi ami de Blanchot. Je pourrais vous donner d'autres photos de Philippe et moi un peu plus tard. Mais ça, c'est une photo. Vous avez l'année, là ? Non, c'est pas l'écrit. 75, peut-être. Ouais. Oui, nous avions des cheveux de hippie. mais ses cheveux se portaient mal, d'ailleurs. Oh, oui, bien sûr. C'est assez difficile à analyser quand même, mais bon, il se trouve, quand j'ai rencontré Philippe Lacoulabart, il y avait d'emblée une quantité de rapports intellectuels entre nous. Nous avions tous les deux lu Derrida, Heidegger, enfin, disons, voilà, c'était un peu l'essentiel. Et donc là, avant 68, il n'y a que rencontrer à Strasbourg, quelqu'un qui s'intéressait à Heidegger et Derrida. C'est un peu exceptionnel, parce qu'on peut dire à l'époque que la distance entre la province et Paris était encore très grande, et il y avait ces éléments intellectuels. Mais ces éléments intellectuels, évidemment, n'auraient jamais fonctionné, je dirais, s'il n'y avait pas eu, ben, chez chacun de nous, un certain type de passion, dans l'engagement, si on veut passionner, dans le travail philosophique. Alors, vous me posez une question lacoulabartienne ou une question philippienne, alors que je suis Nancy, Jean-Luc. Mais, en effet, notre association implique jusqu'à un certain point que chacun doit pouvoir répondre un peu pour l'autre, mais jamais complètement. L'engagement de chacun était très différent. D'ailleurs, chez Philippe, d'emblée, il était littéraire. Parce que Philippe, il avait déjà écrit des textes littéraires. Et très vite, il m'a fait lire des premiers textes qu'il avait écrits, dans lesquels il y a aussi des enjeux de mimétisme. Moi, j'étais pas du tout du côté de la littérature. Pour moi, la philosophie était... C'est pas du tout un exercice abstrait ou froid. Pour moi, c'était plutôt, justement, ma figure d'imitation, ça avait plutôt été Hegel. Mais Hegel qui m'avait lui-même été transmis par quelqu'un d'autre qui n'est pas connu, qui s'appelait Georges Morel, qui était un jésuite sorti de l'Église et de la Compagnie, mais qui avait de Hegel une lecture complètement passionnée. C'est-à-dire que donc j'avais découvert chez Hegel, ils ont une sorte d'élan et de bouillonnement permanent de la sortie de soi pour revenir à soi. Bon, oui, bon, tout ça. Et je crois que c'est ça qui a vraiment fait mon entrée dans la philosophie. Ah, mais avant, j'avais toujours été très intéressé par la philosophie. Donc, il y a toujours un élément comme ça, affectif. Non, mais avant, disons, j'avais eu un grand intérêt pour la possibilité de l'interprétation du sens. Quand j'avais découvert qu'on pouvait interpréter un texte de plusieurs manières, même à partir de l'interprétation des textes bibliques et des différents registres d'interprétation, etc., pour moi, c'était la révélation, c'est la première révélation. Vraiment, j'avais pas encore un corpus philosophique où reconnaître un certain instrument, je dirais comme ça, de travail. Et ça avait été Hegel. Et pour Philippe, ça avait été un autre chemin. Et ça s'est resté ensuite tout le temps dans notre collaboration. Par exemple, Philippe, après plus tard, lui, il a découvert plus Schelling. Et donc on jouait un peu tout le temps, lui c'était Schelling, moi c'était Hegel. Puis après de Schelling aussi, alors ça s'est plus déporté pour lui sur Hölderlin. Bon, c'est-à-dire que pour Philippe, il y avait quelque chose de la littérature qui était là, qui était présent là depuis toujours, sur le mode justement de la littérature comme la possibilité la possibilité d'une mimésis
justement, de ce qui ne se présente pas comme, comme ça au premier abord. Et le, ce sens de la littérature, moi je ne l'avais absolument pas. J'avais lu énormément de littérature, mais je ne sais pas pourquoi j'aimais la littérature. Et pourtant, je participais aussi aux histoires que je lisais. Alors, j'ai lu énormément Balzac, Stendhal, ça va. Mais je dirais que pour moi, la jouissance littéraire était plus cinématographique. Des grands panoramas, donc en particulier Balzac. Avec Philippe, ce n'était pas ça pour lui, la littérature. La littérature à lui, elle était beaucoup plus lyrique, plus poétique. Mais je dirais, dans les deux cas, c'était deux manières d'être sensible à la question comment se dit l'existence, comment se dit la vérité de l'existence. Là, le fait que vous avez coécrit vos premiers textes, par exemple, on raconte plus tard l'absolu littéraire sur le romantisme. Est-ce que la mimésis, d'une certaine manière, vous a poussé à ouvrir la philosophie à des dialogues avec d'autres disciplines? Oui, en partie, mais je dois dire que ça participait aussi de tout un mouvement de l'époque. Parce que autre discipline, je dirais, ça veut dire surtout la linguistique, c'est-à-dire c'était le moment de ce qu'on a appelé le tournant linguistique. Et depuis, mais beaucoup plus tard, je me suis dit pourquoi il y a eu ce tournant linguistique. Parce que de fait, là je crois que ni Philippe ni moi, on était tellement préparés à ça. Mais alors sans doute à travers Derrida. Et puis alors en effet, il y a eu Lacan, mais pourquoi il y a eu tout le tournant linguistique dans lequel on était pris? Je crois que c'est parce qu'à un certain moment, il y a eu une sorte de mise à distance des significations, en général de toutes les significations. Jusque-là, on était plutôt, disons, dans une culture qui maniait des signes et qui, des signes avec une certaine sécurité, disait l'homme, par exemple. Bon, il suffit de prendre celui-là, par exemple, l'homme. Mais à un moment donné, parler de l'homme, c'est devenu l'ouverture d'une quantité énorme de questions. De problèmes. L'homme, c'est quoi? Alors, en fait, on découvrait qu'il y avait déjà très longtemps que Kant avait dit à la question « qu'est-ce que l'homme ?», il n'y a pas de réponse. C'est quelque chose à quoi, je ne sais pas, moi, je dirais dans toute ma préhistoire philosophique, personne ne m'avait jamais parlé de ça. Mais humanisme était comme un mot qui allait de soi. Alors, par exemple, quand tu es très jeune en classe de philo, ben, on lisait « L'existentialisme est un humanisme » de Sartre. Au fond, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais bon, voilà. Il y avait des significations porteuses. Et à un moment donné, beaucoup de manières simultanées, il est apparu qu'il fallait presque soulever chaque mot et l'interroger sur la façon dont il produisait sa signification, si elle était légitime ou non. Par exemple, maintenant je me rappelle toute la question du shifter, sujet du jeu, comme, alors oui, on a traduit en français « embrayeur ». J'ai l'impression que c'était une sorte de, ça aussi, une révélation. Le jeu est l'embrayeur de la proposition, c'est-à-dire le jeu ne signifie rien. Et à partir de ça, il y a une quantité de réflexions, de questions sur le sujet, la présence à soi, mais qui traversait du coup aussi bien Derrida que Lacan. Que, bon. Pour parler un petit peu plus de ce rapport commun entre vous, Lacoula Barthes et Derrida, Philippe Lacoula Barthes dit dans une interview que lui s'était intéressé au début à la mimesis grâce à la médiation de Girard, mensonge romantique, vérité romanesque. Et c'est Girard, il y a cette attention au désir mimétique qui porte à la rivalité. De ce trio-là, comment avez-vous évité la rivalité mimétique ou, disons, comment l'avez-vous mise au travail pour la penser? Ça, c'est la question que Blanchot nous a posée un jour, et qu'il a écrit même, un petit billet, je me rappelle, où il a écrit, mais comment faites-vous pour
travailler ensemble sans vous détruire l'un l'autre. Et oui, ça nous avait beaucoup frappé parce que Blanchot, il n'écrivait pas ça seulement de loin, parce que entre Blanchot et nous, parce que Blanchot, on l'a jamais vu, déjà à l'époque où il ne voyait personne, il voyait encore un peu, où il parlait un peu avec Roger Laporte. Alors Laporte connaissait Blanchot, donc Laporte avait raconté à Blanchot des choses, parce qu'il suffisait, enfin bien sûr, il y a aussi des gens, même en voyant des livres, des articles de loin, ils se disent, mais comment ils font? Bon. Moi, je n'ai toujours pas la réponse complète à ça. Mais évidemment, de la rivalité, il y en avait forcément. C'est-à-dire que on ne peut pas être là deux. Alors, si on travaille, disons, sur un champ plus ou moins commun, alors il faut faire, pas seulement aussi bien que l'autre, mais il faut faire mieux que l'autre. Bon. Et... oui, il y a des moments où il y a eu des moments comme ça, même un peu de nervosité comme ça, mais surtout de la part de Philippe, parce que Philippe était très, très méfiant. Et il était prêt à penser que je voulais faire quelque chose de plus, de bon, de mieux. D'une part, il s'est produit tout un rééquilibrage affectif très complexe qui est passé, alors justement, par les femmes et par les enfants. Et ça, c'est une sorte de... Je ne sais pas comment dire, c'est une sorte de manipulation d'arrangement affectif, personnel, etc., qui en fait fait complètement partie, ça j'en suis persuadé, de l'arrangement intellectuel, philosophique. Mais il y avait une face, disons, plus proprement intellectuelle de ça, qui était qu'on avait chacun des fonctionnements et des talents aussi très différents. Philippe était beaucoup plus intuitif, il saisissait des choses, bon, mais alors aussi il doutait beaucoup plus et donc il était prêt à ce que les choses n'avancent pas. Bon. Moi, j'étais beaucoup plus dans l'énergie et dans, bon, il faut quand même que ça avance. Par exemple, l'absolu littéraire, on a parlé de l'absolu littéraire pendant je ne sais pas combien de temps. Je vois qu'on a commencé à en parler un été, oui, et qu'on devait vraiment se mettre à le faire pour l'été suivant. On avait regardé beaucoup de choses. On avait traduit les textes, justement, ça ne faisait toujours pas le livre. Et de ce point de vue-là, ben, Philippe, j'avais l'impression que lui, il avançait pas du tout. Et je me rappelle très bien qu'une nuit de cet été-là, je sais très bien où on était et tout, une nuit, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc j'ai fait un plan. Et le lendemain matin, j'ai montré à Philippe, je lui ai dit, voilà un plan. Alors maintenant, il a dit, d'accord, bon, alors on va suivre le plan. Et alors du coup, on s'est partager aussi le travail, parce que là, on n'écrivait pas tout ensemble. Ça dépendait des fois. Par exemple, le travail sur Lacan. Ça, c'était extrêmement remarquable, parce qu'on avait décidé de faire un séminaire, de faire avec des gens, des collègues de toutes les disciplines. Donc, tout le monde voulait faire des exposés sur tous les grandes figures de ce qu'on appelait structuralisme. Alors, on a distribué des exposés. Alors, il y avait Lévi-Strauss, Barthes, Esclévage. Bon. Il est resté Lacan. Et là, personne ne voulait le faire. Et les autres collègues, qui étaient surtout des littéraires et linguistes, ils ont dit, non mais là, ça c'est vous, les philosophes, parce que nous, on ne connaissait pas Lacan. Et donc... Là, on s'est mis tous les deux avec le texte, alors je ne sais même plus comment on a choisi ce texte-là, l'instance de la lettre, parce que pour le choisir, ça suppose une opération préalable de, quand même à travers la diversité des textes. Et là, il y a eu comme une sorte de degré zéro, là, absolument commun du travail, c'est-à-dire qu'on lisait la première phrase du texte, puis on disait « qu'est-ce que ça veut dire ?» Et vraiment, on ne savait pas. Et on a continué comme ça. Et peu à peu,
on découvrait le fonctionnement de Lacan, sa manière de d'introduire des pensées, bon, qui était quand même très très inhabituel aussi pour nous. Donc là, d'une certaine façon, dans le rapport à Lacan, il y avait presque aucune différence entre nous. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, parce que l'enjeu n'était ni littéraire ni philosophique. De toute façon, c'était juste entre les deux, et on était très contents ensemble de chercher qu'est-ce qu'il y avait là chez Lacan, comment ça renvoyait à Descartes, à Hegel, à Platon, etc. Ah oui, certainement, parce que de toute façon, je n'ai pas pensé beaucoup de choses à ce sujet avant. En effet, s'il y a bien quelque chose qui est très tôt été une sorte de motif commun, et je dirais presque un motif axial pour tous les deux, même si chacun y mettait des choses différentes, c'était justement le sujet. Je ne peux même pas me rappeler, je ne sais pas comment dire, d'où c'est venu, comment c'est venu, mais je veux dire, certainement, il y avait deux problématiques du sujet différentes. C'est-à-dire que je crois que du côté de Philippe, c'était plutôt la division du sujet avec lui-même. Bon, disons, une petite division qui pouvait renvoyer à Lacan, mais qui, chez Philippe, était de toute façon aussi d'emblée une division disons littéraire ou critique, c'est-à-dire aussi une vision tragique. Philippe, il avait de lui-même et de la vie en général une vision très tragique. Et c'est aussi pour ça que la tragédie l'intéressait beaucoup. Moi, au contraire, je pense que j'étais... alors, c'est ça que j'avais retrouvé chez Hegel aussi, mais qui venait d'avant, je ne sais pas, c'était plutôt un modèle pour lequel je n'ai pas de nom, c'était pas tragique, mais plutôt, le sujet hors de soi, donc toujours hors de soi. Et donc évidemment, aussi dans le rapport avec l'autre. Bon. Ça n'intéressait pas tellement Philippe. Philippe était même assez méfiant envers l'autre, donc était très très méfiant envers Lévinas. Il le trouvait beaucoup trop pieux, religieux, bon, c'est bon. Oui, ça renvoyait à toute notre histoire, à toutes nos personnalités. Philippe, il avait eu une sorte d'éducation calviniste. C'est un peu curieux, parce que ce n'était pas du tout une famille calviniste, mais c'est plus retors que ça. C'est sa mère qui était d'origine calviniste, alors que son père était catholique. Et à travers sa mère, le calvinisme de sa mère, il y a une certaine vision tragique. Comme ça, qui s'était inséré, je dirais, chez lui. Bon. Et moi, au contraire, j'avais plutôt, je vois, une culture catholique ouverte, même baroque, flamboyante, etc. Ce que Philippe me reprochait toujours beaucoup, et en même temps qu'il aimait beaucoup l'esthétique qui allait avec tout ça. Alors, non. Voilà, mais ça faisait qu'on se retrouvait tous les deux, alors absolument d'accord, pour faire tous les efforts possibles pour déstabiliser le sujet. Le sujet, on l'avait hérité comme une sorte d'évidence, on ne parlait même pas de sujet, mais voilà, oui, il y a un sujet, il y a une présence à soi et tout. C'est pour ça que là, Derrida a joué un rôle absolument décisif pour nous deux. C'est que dans La Voix et le Phénomène, il y a l'endroit où Derrida, au cœur de l'analyse par Derrida du sujet husserlien, de la voix intérieure silencieuse par laquelle le sujet se dit, se communique à lui-même, sa présence et la vérité de sa présence. C'est là qu'il y a ce passage que j'ai toujours dans la tête, mais je pense que c'était la même chose pour Philippe. Husserl dit que c'est en un instant, Augenblick, que le sujet s'entend. Et Derrida s'exclame, mais cet Augenblick a une durée. Donc,
sur cette durée, c'est ce que Derrida va nommer la différence avec un A. Et ça, je crois que voilà, c'est une espèce de noyau minimal, si vous voulez, qu'on a reçu de Derrida et que, bon, avec lequel on était absolument d'accord. Mais après, chez Philippe, ça se développait dans le... Ah oui, par exemple, pour prendre un de ses titres, l'écho du sujet. Et Philippe, il était tout de suite sensible, justement, à cet écho, à ce renvoi à soi, à l'intérieur du sujet, qui occupe, justement, la durée et la distance de l'Augenblick. Tandis que moi, j'ai été plus poussé vers le fait que le sujet n'est jamais que dans le rapport entre avec une pluralité de sujets. Comment est-ce que le mythe nazi s'inscrit dans cette collaboration avec Philippe Lacour-Labarre? Ça, c'est assez simple à dire, parce que le mythe nazi n'a pas fait partie d'un programme de travail qui, par exemple, aurait traversé notre enseignement à l'université. Tandis que la politique, ou le politique à l'époque, c'était une question que nous avons travaillée dans beaucoup de cours, dans des cours sur Freud, dans des cours sur Bataille. Mais le mythe nazi est venu d'une demande d'une association juive de Strasbourg, toute petite association qui a organisé une rencontre comme ça avec le titre, je ne sais pas bien, Mémoire de l'Holocauste. Dans cette rencontre, on parlait plutôt, si je me souviens bien, des historiens et des politologues. Il n'y avait pas beaucoup d'orateurs et pas beaucoup d'assistants. Il y avait moins de gens que... Peut-être on peut dire ceci. Le fascisme, au fond, c'est toujours l'envers de la démocratie. Et la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, mais c'est beaucoup plus qu'un régime politique, parce que justement, le nom central, là, le peuple, la démocratie, ne sait pas qui il est, où il est, comment il est. Si vous êtes dans une monarchie, vous savez, vous êtes dans une aristocratie aussi. Mais démocratie, où est le peuple? Donc je dirais, la démocratie, c'est forcément une pensée de la postulation, au sens qu'ancien du mot, de la postulation du peuple. C'est-à-dire, il faut dire, oui, le peuple. Révolution française, le peuple français déclare, et ce peuple, évidemment, n'existe pas, ce peuple se postule lui-même. Bon. Et pour être démocrate, il faut supporter ceci, que le peuple n'est pas là, qu'on ne l'a pas vraiment. Quand ça va trop mal, quand cette faiblesse, parce que c'est une sorte de faiblesse aussi constitutive de la démocratie, ou cette faiblesse au sens où si le chef n'est pas là, où est-il, comment fonctionne-t-il, toutes les questions de la représentation se posent. Le fascisme, je crois, c'est vraiment ce qui est arrivé à partir du moment où il y a eu une sorte de faiblesse de la démocratie qui est certainement liée à toute l'histoire aussi de la technique, du développement des sociétés dans le 19e siècle, etc. Et où, à une sorte de retournement, alors on dit, voilà la vérité du peuple. Donc à ce moment-là, on lui donne une figure. Alors cette figure peut être une race, peut être un chef, un guide. Mais ça demande une grande... Enfin, à cette époque-là, ça a demandé une grande quantité, justement, de représentation, mais pas du tout au sens de la représentation politique, mais pas de la délégation, mais au contraire, de l'image qui présente vraiment la chose. Donc, par exemple, le grand symbole fasciste
c'est le faisceau de lecteurs romains. Et c'est tout un programme, si on réfléchit, parce que le faisceau des lecteurs romains est quelque chose que portaient les lecteurs qui accompagnaient les grands magistrats. Donc c'était à la fois une sorte de garde symbolique, d'honneur, mais aussi efficace, parce que les lecteurs, ils portaient une hache enserrée dans les baguettes là, qui forment le faisceau. Et avec cette hache, ils étaient prêts à exécuter les ordres d'un magistrat, c'est-à-dire aller couper la tête à quelqu'un. Alors c'est extrêmement frappant de penser que le faisceau de lecteurs, il est présent à beaucoup d'endroits où on l'attend pas. Il figure dans les armoiries de la République française. Macron a fait une drôle d'opération, il l'a recouvert un peu avec quelque chose, je ne sais plus quoi, mais il n'y a pas longtemps, une amie suédoise m'a dit qu'elle avait découvert que les armes de les armoiries de la police suédoise comportent un faisceau. Exactement. Eh bien, donc le faisceau des lecteurs, c'est à la fois la puissance qui est là, présente dans son effectivité et dans son efficacité, en quelque sorte immédiate. Et voilà, je crois, ce dont, au fond, peut-être ce qui est néo dans le fascisme aujourd'hui, je crois, c'est que nous ne sommes plus dans la même époque des images et des symboles. Alors, le faisceau de Lichter, ça appartenait encore à une société dans laquelle la culture classique était encore présente. Maintenant, il n'y a plus de culture classique, donc je pense que tout le monde s'en fout du faisceau de Lichter. Et n'empêche qu'en France, en ce moment, depuis un certain temps, les mouvements d'extrême droite, et puis en ce moment, c'est en train de passer au moins à une partie des Gilets jaunes, on chante la Marseillaise. Et depuis, pour moi, de toute ma jeunesse, le chant de manifestation, le chant de protestation, c'était l'International. Et la Marseillaise, justement, l'hymne national, il avait déjà été un peu relativisé ou mis à distance. Par exemple, Gainsbourg a fait une très jolie Marseillaise en reggae. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça, mais aux armes, etc. Bon. Et quand Gainsbourg l'a fait, c'est pas passé tout seul. Hein. Beaucoup de gens n'étaient pas contents quand même en France. Mais quand même, c'était passé. On pourrait dire là, c'est comme si à ce moment-là, la démocratie avait été capable de jouer un peu avec elle-même, avec ses propres symboles. Mais après, très vite après, on a commencé au contraire à déplorer le fait que la République française avait comme perdu ses symboles. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perdu les symboles, ça peut être complètement accessoires et extérieurs, ou ça peut être au contraire ceux qui quand même manifestent une véritable présence. Et ces mouvements se développent de façon presque contagieuse, on pourrait dire. Il y a une vitesse de contagion. Oui, et ça, c'est ce que Bataille avait quand même, et qu'il a été vraiment, parce que le seul, en tout cas le premier à très bien voir, c'est que dans le fascisme, il y a une énorme puissance affective, parce que, on pourrait dire, la démocratie est froide. La démocratie, elle dit, bon, vous élisez vos députés, vous construisez tout votre système constitutionnel, et bon. C'est pour ça qu'on pourrait dire, peut-être ça permet de me faire, on pourrait dire que la démocratie et le fascisme, ce sont les deux faces que Rome a réussi, peut-être la seule fois dans l'histoire, à fonctionner ensemble, pendant un certain temps, parce que ça s'est cassé la figure, et ça a donné l'Empire. Mais la grande République romaine, c'est la République qui est en même temps réellement présente, parce que c'est Rome, c'est la Louve, avec ses deux petits, ce sont les enseignes dont vont du coup des armées, des légions, etc. Ce sont les magistrats et les lecteurs, et en même temps, c'est le peuple, c'est la formule de Rome, Senatus populusque Romanus. Ça a fonctionné parce que Rome était une sorte de grande religion civile dont l'objet était Rome elle-même. Ça n'a pas tenu quand même, ça n'a pas tenu, et au contraire, Rome est entrée dans une sorte de monstrueuse pagaille religieuse et philosophique d'où sont sortis, on dirait presque en même temps, l'Empire et le christianisme. Et en fait, l'un a fini par absorber l'autre. En même temps, dans justement, ce que l'Empire a développé, c'est
c'est pas du tout du fascisme, l'Empire. D'accord, mais c'était quand même que tout d'un coup, il y avait le besoin de donner un corps, une individualité, une présence à l'autorité suprême, ce dont la République n'avait jamais eu besoin. Oui, en effet, quand j'ai écrit ce livre sur la communauté, c'est parce que le mot communauté est tout d'un coup redevenu un mot problématique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre mot qui était en train de perdre complètement toute force, c'était le mot communisme. Communisme, voilà, dans les années 70-80, c'était vraiment le commencement de la fin. Pas de la fin de l'Union soviétique. Non, il y avait longtemps qu'on pouvait savoir que le stalinisme n'était pas le communisme. Mais la fin de la possibilité même de la représentation du communisme. D'une certaine façon, personne ne sait, puisque Marx ne savait pas, et depuis Marx, personne n'a présenté ce que ça voulait dire, le communisme. Donc, quand j'ai écrit ce livre, c'était pour essayer de dire que on ne peut pas se passer d'une pensée du commun, parce que le communisme, c'est pas par hasard que le communisme existe depuis le mot fonctionne depuis Rétif de la Bretonne, c'est-à-dire en même temps que Rousseau, dans le très ancien, et qu'à travers Marx, et tout ce qui s'est passé après, il a porté toujours quelque chose, et de cette façon, il porte encore, si on veut, oui. Mais en même temps, il nous fallait penser à nouveau frais ce que voulait dire justement le être en commun, donc la communauté. Si ça ne veut pas dire s'identifier à justement à une puissance mythique. C'est sûr que le point de départ, c'est le, oui, comme vous dites, la conception organique de la communauté. Or, cette conception organique, elle était extrêmement présente dans la pensée de Rousseau. Ce que Rousseau veut, cherche, c'est un vrai corps social. Et ça, je vous rappelle que dans les années, justement avec Philippe, dans les années 70 et tout, on a parlé très 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 souvent et tout de ce motif du corps social et du problème qu'il y a à concevoir la société comme un corps, parce que si c'est un corps et tout y est intégré dans une unité qui a elle-même comme finalité un corps il est fait pour vivre en tant que ce corps qu'il est, mais dans une société les individus ne peuvent pas être des membres comme dans un corps, parce qu'à ce moment-là le bras est réduit à sa fonction de bras, et bon, et si je suis le petit doigt, je fais quand même peu de choses par rapport à l'œil, par exemple. Donc oui, la question du corps ou de l'organicité, c'est peut-être la question majeure qui est apparue justement avec la démocratie, parce que jusque-là le corps de la société, c'était un corps, c'était soit le corps d'un roi, d'ailleurs qui a deux corps, comme bien analysé Kantorowicz, mais le corps d'un roi ou le corps d'un dieu. Bon. Et peut-être justement la réussite de Rome, c'est que pendant un certain temps, Rome elle-même est comme un corps. Donc, ce que les totalitarismes nous ont appris, c'est que si on cherche à incorporer la société, alors c'est la catastrophe totale. Parce que justement, on réduit tout le monde à l'état de membre et donc de fonction, d'organe. Dans un organisme, les organes font fonctionner. Kant, déjà, devant la Révolution française, Kant faisait très bien la différence entre organisme et organisation. Et il dit, la Révolution française, c'est un grand peuple qui cherche à s'organiser. Mais il sait que justement,
s'organiser, c'est un autre concept que être un organisme. Et maintenant, que nous sommes dans une situation alors qui est encore aggravée par rapport à ça, parce que ceux qui pouvaient sembler encore pouvoir être quand même un peu considérés comme un corps, c'est-à-dire une unité nationale, mais pas trop nationaliste, mais bon, une belle nation ayant son identité, sa représentation d'elle-même, étant la République française, cette femme, Marianne, avec son bonnet phrygien, évidemment, et avec une certaine circulation, comme ça, de sentiments, d'affects, de valeurs, comme on dit, qui faisait tenir ce tissu. Maintenant, ça n'apparaît plus que comme des restes à l'intérieur d'un ensemble mondial dans lequel la France ou la Belgique ou l'Italie, ça n'est pas grand-chose. Ce sont que des pièces à l'intérieur de connexions extrêmement complexes, énormes et puissantes de technique et d'économie. Donc, on comprend très bien aussi que les gens se sentent perdus par rapport à ça. Ils ne sont pas seulement perdus parce qu'il y a des phénomènes économiques, il y a des phénomènes de perte de pouvoir d'achat. C'est ça qui déclenche l'insurrection en France en ce moment. Mais il y a aussi, plus profondément, le sentiment qu'on est perdu. Moi, je connais quelqu'un, un ami, pas un philosophe, un littéraire, mais d'un très très grand raffinement de culture, qui a fini par devenir presque d'extrême droite, parce qu'il a commencé à me dire, mais j'en peux plus de ce qu'on fait à la France. Regarde, la France est perdue. Oui, en un sens, on peut dire, dans l'enseignement, il n'y a plus du tout l'enseignement, ni de l'histoire, ni de la littérature, de la culture française, etc. Bon. Et je sais que moi, j'étais obligé de lui dire, bon, la France, pour moi, c'est pas très important. Je sais très bien tout ce que je sais que je suis complètement français, bon, que je dois beaucoup à la France. Mais évidemment, c'est pas de ça que je vis. Ce qui veut dire que, pour moi, peut-être comme pour beaucoup d'intellectuels, d'artistes, il s'est fait dans le même temps, disons, une sorte de tissu international dans lequel nous sommes habitués à circuler entre des pensées, des œuvres, etc., qui sont aussi bien maintenant japonaises qu'amérindiennes. Bon. Mais ça, justement, c'est un privilège que, en fait, l'immense majorité des gens dans nos pays ne partagent pas. Même s'il y a un phénomène intermédiaire qui s'est produit, qui est le tourisme, bien sûr, beaucoup plus de gens maintenant vont visiter des quantités de pays que dans lesquels avant ils n'allaient jamais. Mais ça ne suffit pas. I grew up under your influence. I started to think otherwise that you and Jakarta and Jakarta. And I was happy to hear again the kind of thinking about the future and the unknowable and the need for a kind of ethics towards the future. I was also reminded of the Dumont apocalyptique. But you were speaking about the dark times that we're in now. And I was wondering whether you could say something about the difference in thinking in the apocalyptic or in the alternative apocalyptic in the 60s, 70s, 80s, and today when the sort of Anthropocene thinking of the dystopic and the end of humanity and the end of the planet has made this into a sort of more common discourse. And I was wondering whether you sort of could say something about how that has changed. Donc là, en effet, il y a quelque chose qui malheureusement prend très majoritairement la forme de ce que Nietzsche appelait le ressentiment. Et le Nietzsche et après Scheller aussi. Pas par hasard sûrement qu'entre Nietzsche et Scheller, dans,
cette époque-là que le ressentiment a fait l'objet de tellement d'analyses et tout. Le ressentiment, je dirais, c'est quand on ne peut plus se supporter dans une situation, qui est moins une situation personnelle, mais justement une situation qui est celle qui fait, au fond, les rapports. Il faut une énergie et une disposition, encore une fois, disons, bêtement internationale seulement, pour ne pas être profondément blessé par le fait que, à la fois, il y a des phénomènes de pauvreté, il y a des phénomènes d'enlaidissement terrible, il y a des phénomènes que les villes deviennent insupportables, il y a des questions de santé, de confiance même dans n'importe quoi du progrès, que ce soit les progrès de la santé ou les progrès de la vitesse, de la communication, etc. Il y a un sentiment de manque de tissu, de conjonction, et ce sentiment fait du ressentiment parce que, encore une fois, c'est de deux choses l'une ou bien on se projette tout à fait ailleurs, et alors forcément on est ou philosophe ou artiste, mais on se décale quand même par rapport à la société dans laquelle on est, ou bien non, alors on est de plus en plus blessé, mal, et là je sais pas comment on peut sortir de ça. En plus, il faut dire aussi, on est dans une civilisation maintenant qui se sent elle-même en perte, parce qu'elle ne sait plus du tout ce qu'elle fait. Où est-ce qu'on va? Quel est le bonheur humain qui est promis? Bon. Pour que ça soit possible, il faudrait que le partage puisse être le partage de quelque chose qui n'est pas une chose, qui n'est pas, c'est pas le partage d'un gâteau. Hein. Il n'y a pas de gâteau là, ou de plat, ou de quel qu'il soit. Ou bien on retourne à une religion, et alors là évidemment, la chose à partager, le gâteau, oui, il est donné comme le message divin et tout. Ou bien on arrive à comprendre, je dirais, la finitude du sens en général. Moi, je suis toujours en train de me demander si l'humanité qui vient ne pourrait pas être une humanité qui finalement comprenne, assimile le fait que le sens est une circulation qui a lieu, mais qui n'a pas d'accomplissement. Si on arrive à faire de ça une culture, mais donc aussi quelque chose quand même qu'on puisse partager, c'est-à-dire il faut quand même peut-être qu'il y ait une certaine forme de gâteau, mais alors lequel? Quelle cuisine pour faire ça? La grande littérature telle que nous la connaissons, qui justement n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe plus? Parce que, semble-t-il, ce que nous avons à nous communiquer les uns aux autres, c'est ou bien les récits de toutes les horreurs que le XXe siècle a été capable de commettre. Alors là, évidemment, nous avons une littérature énorme de tous les récits qui concernent les Juifs, mais plein d'autres, les Arméniens. Évidemment. Ou bien, par exemple, ce que je trouve très frappant, c'est qu'il y a un auteur, un grand auteur, je pense, contemporain, c'est Roberto Bolaño. Là, si vous avez lu 2000 quelque chose, bon. Et c'est un livre formidable, c'est un livre qui donne le sentiment que quelqu'un qui est là, qui pense et qui arrive à pratiquer une mimésis littéraire vraiment du monde dans lequel on est, bien. Et n'empêche que la plus grande partie de ce livre de Bolaño, elle est faite de choses horribles. En particulier, il y a un très très grand chapitre central qui est entièrement fait sur des meurtres de femmes au Mexique, c'est tiré l'histoire réelle. Quand on lit ça, on se dit, oui, l'écriture de Bolaño est très forte. Mais en même temps, on se dit, c'est comme sur le fond d'un grand désenchantement. Aujourd'hui, celui qui jubile à brasser la société de manière mordante, acide et tout, c'est Houellebecq. Houellebecq, c'est tellement dominé par l'acidité, la méchanceté, la cruauté, mais tout.
Oui, mais à la condition qu'il y ait quand même, je dirais pas des figures, surtout pas des figures. Justement, ça nous ramènerait à Philippe, c'est un point, parce que Philippe, il en était venu à avoir une détestation totale de la figure. Et ça m'a justement, Philippe posait bien le problème de ce que c'est qu'une mimésis sans modèle. D'accord ? Mais peut-être que la démocratie, c'est ça aussi, c'est la mimésis sans modèle. Et pourtant, il faut bien quelque chose à un moment. Alors, peut-on inventer un modèle qui ne soit pas, disons, une figure au sens plein identificatoire ? C'est ça. Par exemple, tu prends une forme, le Mélancolia de Lars von Trier. Voilà un film que je trouve admirable parce que c'est comme s'il donnait une certaine forme à ce qui est en même temps un désespoir. Mais en fait, la fin du film, c'est pas tout à fait clair. Peut-être que l'enfant avec sa tante, ils vont connaître tout à fait autre chose. Mais en même temps, Mélancolia, c'est pas un film populaire. Alors. Join and thank Jean-Ruben C for wonderful generosity and for inspiring. Non, pas générosité. Derrida m'a. Un jour, j'ai parlé, j'ai écrit même de la générosité de Derrida. Et alors, il a répondu aussi par écrit, il a dit la générosité ne vient jamais de la personne, elle vient d'ailleurs. Alors, pour l'excès d'énergie, que vous avez amené. L'excès c'est mieux, c'est matériel et ça nous amène à la paix. Thanks again. Alors,